On vous cherche, on vous provoque, on vous persécute. Une sorte de fatalité. C'est bien ça? Oui. Ouais. Il n'en est pas moins vrai, monsieur Beretto, que c'est la troisième fois cette année, et la dernière, j'espère, que vous êtes poursuivi pour coups et blessures. À qui la faute, monsieur le commissaire? Hein? Moi, je roulais tranquillement, doucement, à ma droite, et c'est monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre. Bon, je souligne poliment l'infraction, je souris. Quand cette espèce de possédé commence à me dire un tas de gros mots, j'ose même pas vous répéter, monsieur le commissaire. Bon, j'ai peut-être eu tort de le tirer par la cravate à l'intérieur de ma décapotable. Mais c'est tout, monsieur le commissaire. Et c'est ainsi que vous lui avez fendu le cuir chevelu et ouvert l'arcade sourcilière. J'avais changé de voiture et j'ai oublié qu'elle n'était pas décapotable, voilà. Mais dites-moi, et les deux autres? Les témoins? Mais ils m'ont traité de brute, monsieur le commissaire.